Ça va? Ça va. Merci, Adèle. Bonjour, monsieur. Bonjour. De reconquête que nous partageons tous, et c'est vrai que si on est autour aujourd'hui de Chantal Jouanneau et de Jean-Jacques Delezini, c'est qu'on a envie eh bien, de se battre dans les années à venir à Paris, on a envie de faire de l'année 2011 une année utile dans le 10e, dans le 3e et dans tout Paris, et on a envie de leur dire que si Claude Gérard Marcus et Gabriel Mars, parce que ce sont eh bien, nos des guides qui nous donnent, qui nous rappellent le chemin à parcourir, c'est pour nous très très important. Et nous, on est toujours extrêmement fiers que vous soyez là parce que ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette circonscription, dans la 5e circonscription de Paris, on a beaucoup travaillé ces derniers mois en équipe bien. Donc les Parisiens et les Parisiennes n'ont rien compris à notre projet et le résultat que ça a fait. Donc là, on va s'y prendre autrement. Une activité, j'allais dire, très importante en tant que ministre. Et on fasse une étude sur l'évolution de la population parisienne. La politique à Paris. Merci. Juste la galette, ça fait pas bon ménage avec le sport, mais... Ceci dit, vous savez que le symbole de la galette, c'est intéressant parce qu'en réalité, ça représente un soleil. Et c'est la fête du soleil. C'est pas seulement tirer les rois, c'est le renouveau, le retour du soleil qui arrive, que nous allons fêter. Et autrefois, on fêtait Noël au moment de l'épiphanie. Donc c'est vraiment un symbole de renouveau. Et j'espère que ça va te porter chance, ce symbole. Alors pourquoi sommes-nous réunis? On est réunis parce que, vous l'avez tous rappelé, on a quand même des échéances importantes les unes aux autres. Élection présidentielle, ça a été très bien, ce qui est extrêmement court par rapport au septennat. Un mandat durant lequel, on l'oublie parfois trop souvent, il a mené énormément de réformes qui sont très impopulaires, parce que très difficiles. La réforme des retraites, évidemment, nous savions tous que ça allait être une réforme très difficile à faire passer, mais elle était nécessaire, à défaut de tendance. On a la question de la réforme de la fiscalité, on a la question du budget, parce que la crise, elle n'est pas encore derrière nous. La crise, c'est qu'on nous propose la délinquance avait augmenté de 17%. Depuis 2002, elle a baissé de quasiment 17%. Donc certes, il y a des choses encore à améliorer, mais en termes de résultats, il n'y a pas photo entre les deux. Donc on est là pour ensuite un corps couvert d'escarres, couvert de marques, et une personne qui décède à l'âge de 45 ans. Gabriel, est-ce que Gabriel, tu faisais de la politique quand il n'y avait pas encore... Je veux vraiment remercier tout le monde du 3e, du 10e. Excusez bien sûr, Martin.